Vous êtes nombreux à vous intéresser au master ingénierie chimique dispensé par l'équipe génie des procédés et ingénierie pharmaceutique. Je vous propose de vous en donner quelques renseignements. Il s'agit donc d'un master dont la mention est génie des procédés et bioprocédés industriels, dont le parcours s'intitule ingénierie chimique, que vous retrouverez sous la codification MR101. L'objectif pédagogique de la formation est de former des cadres spécialisés dans la conception d'installations chimiques et la gestion de production industrielle. Pour s'y inscrire, deux voies d'accès. La première, vous disposez d'un niveau Bac plus 3. Vous disposez d'une licence générale, d'une licence professionnelle, d'un bachelor en génie des procédés ou chimie par exemple. Vous pourrez alors directement intégrer la formation au niveau M1. Seconde voie d'accès, vous disposez d'un niveau Bac plus 4, un M1, un M2 d'une autre université, un diplôme d'ingénieur en génie des procédés. Vous pourrez alors porter votre candidature au niveau M2 pour intégrer donc cette formation directement en seconde année. Si le master vous intéresse, vous pouvez porter votre candidature. Après examen du dossier et entretien, eh bien, vous pourrez être retenu. Vous pouvez demander votre dossier auprès du secrétariat pédagogique, auprès de Madame Manuela Corraza, dont les coordonnées s'affichent ici, et pour lesquelles vous obtiendrez différentes informations. Vous pouvez également la contacter pour convenir d'un rendez-vous si vous désirez de plus amples informations. Je vous remercie.